Comment faire un bypass iCloud en 3 minutes? Hello, like, subscribe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire un bypass iCloud en 3 minutes. Tu te demandes même très certainement qu'est-ce que c'est le bypass iCloud. Le bypass iCloud, c'est juste un processus qui permet de contourner le verrouillage d'activation iCloud. Le verrouillage d'activation iCloud, c'est la sécurité de Apple. Donc, iCloud, c'est la sécurité de Apple. Donc, en gros, comment est-ce que tu peux contourner cela afin d'utiliser ton iPhone un peu normalement? Mais avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, clique sur le bouton s'abonner, ensuite tu touches la cloche de notification. Bon, en touchant cette cloche de notification, tu n'auras plus jamais à manquer mes prochaines vidéos. Donc, on va aller maintenant dans notre PC, je vais te montrer comment est-ce que tu vas faire. Mais avant d'aller sur mon PC, je tiens à te rappeler qu'à la fin de cette vidéo, tu auras les appels, les SMS, de la notification, du FaceTime, ainsi que tout sur ton iPhone. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux faire un bypass iCloud ou encore un contournement en 3 minutes. Maintenant, la première étape pour faire un bypass iCloud, c'est le jailbreak. Tu ne connais pas faire le jailbreak? Alors, à la description de cette vidéo, il y aura une vidéo qui va te permettre de faire le jailbreak. Et après le jailbreak, tu vas tout simplement connecter ton iPhone sur ton Mac. Désolé vraiment parce que cette méthode-ci ne marche que sur les Mac OS. Donc, comment est-ce que tu peux installer Mac sur Windows? Je vais laisser le lien de la vidéo à la description de cette vidéo-ci et tu pourras installer macOS sur ton Windows pour effectuer ces différentes étapes. Après avoir fait le jailbreak, tu vas télécharger l'application iRemove.tools. Donc tu vas aller sur le site de iRemove.tools et tu vas cliquer sur télécharger. Ensuite, vous allez ouvrir l'application. Lorsque vous avez déjà fait le jailbreak, l'application va vérifier la compatibilité avec votre téléphone. Et lorsque vous allez recevoir le message pour dire si votre téléphone est compatible avec un bypass avec réseau ou alors un bypass sans réseau, alors vous allez tout simplement cliquer sur Order Now. Après avoir cliqué sur Order Now, vous allez tout simplement entrer votre nom, votre email, ensuite entrer le code promo SchoolKit237 pour avoir une grosse réduction sur l'achat de votre service. Donc après avoir entré SchoolKit237, vous allez descendre, ensuite vous allez cliquer sur Apply promo code et là maintenant vous aurez une grosse réduction. Après le paiement, vous allez tout simplement cliquer sur Start et votre téléphone sera bypassé avec réseau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur comment faire un bypass en 3 minutes. Vous pouvez tout simplement regarder les autres vidéos sur comment faire un bypass gratuitement sur Windows et aussi sur Mac. Donc, regardez directement autres vidéos sur la chaîne et vous allez vous régaler. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires, laissez un like, partagez cette vidéo avec vos amis et comme je le dis toujours, trust the process.